Ok, je vois le nom, je vois le nom. Ils sont juste au-dessus. Tête de merde, je reste là, j'ai toute la nuit, c'est le confinement. Je bouge pas, ils veulent pas sortir, je reste là. Pourquoi nous, on devrait prendre des risques? Donc tête de merde, on reste là. Dans cette game-là, à partir de la 20ème minute, il peut y avoir Link qui pop sur la map. Il est invincible tant qu'aucune Triforce n'a été trouvée. Donc si tu le vois venir vers toi, fuis. Si tu vas dans les cavernes, il a pas le droit d'aller sous terre. Et dès qu'une Triforce est trouvée, Link va au temple en 0-0, il perd son invincibilité et il défend la salle d'assemblage. Les amis, courage à tous, bonne chance. Bonne chance. C'est pas une question de chance. Écoute, Lawin, s'il vous plaît, ouais, c'est go remplir tous les viewers, ils sont très nombreux, ils nous regardent, ils nous soutiennent. Donnez votre énergie sur les chats, la vrai, tête d'homme, on va la gagner pour on vous. On va tout donner, on va tout donner. On rejoint un temple direct, comme ça on est sûr qu'ils y aillent pas, et ensuite on creuse en dessous. Leur truc de mettre Cheetos en Link, ça nous nique un peu notre stratégie. Au pire, si on meurt à cause de Cheetos, on dit c'est de la faute de Cheetos, ça me fait une excuse. C'est parfait, frère. Je ne sais pas, tu peux être marrant et tu prouveras que c'est des salopes. 500 moins 500, on y retourne. Ah, mais non, mais oui, le plus proche c'est 500 moins 500, il a raison. Non, mais en vrai, cette fois on peut y aller, les gars. Cette fois on peut y aller, et croyez-moi, si on rentre tous les ensemble, tous les deux. Ce coup-ci ça va bien se passer. En plus, j'ai pris Piaf. Donc, moi je suis choisi un Piaf, donc tout va bien. Ouais, attends, je vais prendre le Piaf aussi avant de perdre de la vie pour rien. Ok, c'est bon. Vas-y. On prend les mêmes teams ou pas? Ouais, vas-y. Moi j'ai bien aimé mon Kokiri. Moi je prends Piaf, c'est tellement bien. Kokiri, incroyable, frère, j'ai trop de cœur, wesh. Je suis imbattable avec autant de cœur. Bah, go 500 fast, hein. Ouais, go maintenant. On fait la même chose que d'habitude. Compa, machin, on se stuff, on va vers une Triforce, et une fois qu'on est arrivé à une Triforce, on attend. En fait, ils vont être trop sociaux en mode, hey, c'est bon, j'ai trouvé. Et on se met à 3v1 versus le mec qui a trouvé la Triforce, et on le mêle. Ah. Parce que là, ils sont obligés de trouver une Triforce, sinon Link est encore là. Tu vas pas me dire que là, ils vont encore une fois attendre qu'on la prenne. J'avoue. Tout sneak saute lave et tout, et dès qu'ils arrivent dans la pièce, gros, il y en aura forcément un ou deux, mais pas trois. C'est de la agra. C'est de la agra gratuite, gros. C'est de la agra. Et moi, je veux me venger de là toutes les fois où c'est. Le livreur EPS, ça veut une garage dans le sac à dos là. Moins 500, c'est là-bas. On y va, vas-y, let's go. C'est Goron, c'est résistance C'est résistance à quoi? Au feu? Attends, si tu veux le feu, c'est Gerudo. Gerudo. Oh putain, tu m'as fait peur. Le mec, il va jeter dans la. Parce que là, tu vois, je me dis, si on fait une strat embuscade, bah les couilles de sauter de haut. Ouais, c'est vrai. Mais moi, tu vois, j'aime bien Piaf. Là, je me suis mis Piaf en vrai. Ok, je suis au. J'y suis moi. Laisse, on arrive. Bah, on le voit, t'as son arbre. Et je commence à creuser sur le côté gauche. Laisse un trou là où tu creuses et comme ça, fin de l'escalier, et moi je vais reboucher en terre. Oh là là, la grotte naturelle qu'on cherchait, Squeeze. Non, c'est vrai, tu l'as? Bah, il y en a une petite là. Incroyable, incroyable. J'espère que c'est celui de sable. C'est celui de sable. Quel bonheur, notre vie. C'est quoi sable? C'est quoi sable? Bah, y'a rien, y'a pas de mob. Non, mais on sait pas, c'est au hasard. On va de quel côté là? Bah, là en fait, on mine par là. Attends, par là. Vas-y, fais-toi. Oh putain, y'a une autre équipe là! Quoi? Oh merde! Où? En bas à gauche, quand vous entrez dans la grotte. Ah ouais! Y'a Bob et Dwag au-dessus de moi. On a pas d'épée? Non, y'a pas de PVP. Oui, mais on a 15 minutes pour crafter des épées. Oh les bâtards! Fermez derrière vous. Arrête de me suivre, fais un trou à côté. Non, pas ici. Laisse une ligne entre nous. Prends trois lignes, frère, me parle pas, wesh. C'est un ouf, lui, tu m'aimes pas, c'est tout, frère. Pas besoin de Yaokal, j'ai compris. J'ai pas d'épée pour me dépêtrer, je suis dans la sauce. Oh, je suis tombé dans le spawn. Oh non, mais quel cauchemar. Je suis dans la merde, hein. Oh putain. Xavier. Bah, c'est pas de ma faute, je creuse, je tombe dans le spawn. C'est qui, comme si? Qui a mis de l'eau? C'est pas un des maglas et tout. Ils sont juste derrière. Oh le salaud. Salaud. Quel bâtard. Quoi? Ils nous noient. Ils nous noient, je le vois là. Magla est cool. Tiens. Putain, moi, chef, t'es bloqué avec moi. Tape dans le champ, tu fais combien de diamants? Yes, diamant. Je vous l'ai dit ou pas? Vous avez vu le feeling? Oh, y'a Jill. Oh, trop mignon. Ça, je leur prends leur établi. Mais putain, il casse notre truc. Mais quel bâtard. Comment ça, il a pris notre truc? Il a pris notre table de craft. C'est bon, je me casse. Faites-vous stuff en fer, hein, n'oubliez pas, au minimum. Putain, j'arrive plus à bouger. C'est terrible ce qui se passe. Pourquoi tu creuses pas par là en fait? Non mais si, mais je veux récupérer mon eau moi depuis tout à l'heure, juste ça. Tu sais quoi? Eh ben je vais aller creuser dans leur tunnel. Mais putain, il prend tout! Vas-y, casse-toi! Vous êtes parti par où du coup? On est dans la grotte, on se promène. Chouette. Mais les gars, arrêtez parce qu'à la seconde où ça va se déclencher, ça va être horrible, vraiment. Dès que ça va se, mec, dès que ça se déclenche, on les démonte. Hein. Allez, il nous reste 12 minutes pour ce stuff. Moi, je suis à 20. On est dans la merde. Alors, moi, je suis désolé, mais j'en ai 3, hein, les gars. J'en ai 5. Pas de boussole. J'ai du diamant. T'as du diamant, très bien. Et bah, j'ai déjà 6 morceaux. Voilà, les gars, on a plus besoin. Maintenant, c'est que de l'armure. 6 morceaux de diams déjà. Ouais. Tu carries, hein. Yeah, j'ai du diamant, j'ai du putain de diamant. Venez, on se rassemble et on commence à faire notre stuff, non, les gars? Timer 15 minutes. Ah, mais il reste 5 minutes en fait, je suis un ouf. Ah ouais, merde.
Vas-y, go monter, go monter. J'avais mal, tu sais, j'avais lu le timer à l'envers, genre. C'est toi en haut à qui? Ouais, moi je suis en haut. Y'a personne? Non, personne pour le moment. Vous avez combien de fer, vous? Moi j'ai 17. 12. Ok, moi j'en ai 52. Okay. On a de quoi faire l'enclume encore alors? On fait l'enclume là? Je pense, hein. Ouais, c'est bon. Tu m'as fait cacher, non? Ouais, j'ai fait, j'ai tout fait. À un moment, vous verrez de l'eau couler. C'est avec des blocs de cobble, c'est l'entrée du temple, hein, pour info. J'ai du lapis! J'ai du lapis! J'ai du lapis! On sort, prends le lapis et on sort! Ça suffira! Y'a un énorme derrière moi! J'ai pas de pieds! Attaque ses pieds! Squeeze, prends une épée, attaque ses pieds! Il martyre. Putain, on perd 3 coeurs à cause d'une pieuvre qui vole, bordel! Allez, les bottes, c'est le meilleur truc, je pense. C'est le plastron. Ok, vas-y, donne à qui, go, on décale. Et on n'a pas été heal. Attends. Y a pas eu de heal là? Ouais, on n'a pas été heal. Oh, c'est bon, bien été heal, bien été heal. Tout le monde a été heal. Ah, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Tout le monde a été heal, ouais. Ok, ok. Tu l'as trouvé? Non. J'ai trouvé. C'est l'épée. C'est quoi? C'est l'épée. Let's go. Tu sais quoi? Si vous y allez à deux. Ok, moi, je suis dans le temple. Farm du fer en attendant. Non, mais c'est pas ça, c'est que j'aimerais avoir l'entrée de Pindé, moi. En fait, Pindé, il est passé par là. En fait, je suis descendu. Bah non, parce qu'il est c'est l'enfer, le temple. Je risque de die, hein, je vous le dis. Envoie ton lapis que je gagne du temps. Je te donnerai le reste. Go. Tiens. Maniez-vous. T'inquiète, on se dépêche. On enchante et on y va. Et j'espère qu'ils y seront pas avant nous. Et au pire, on leur tombe dessus, on leur vole l'arme. Sharpness et protection, les enfants. Oh, t'es le meilleur, gros. T'es le meilleur, Squeezie. N'oublie jamais ça. J'ai eu de la chatte. C'est juste de la chatte. C'est pas de la chatte, gros. Y'a rien de chatte. Entièrement de la chatte, mon frère. Arrêtez de vous sucer la bite et posez-moi ce tableau d'enchantement. Laisse-moi juste un lapis lazuli pour que je puisse faire la boussole, s'il te plaît. Il me faut aussi de l'or. Prends. Le problème, c'est que j'ai pas pu enchanter mon épée parce que j'ai pas sharpness. Je veux pas gâcher. Oh putain, tu nous as tellement sauvé la game, frère. Tranchant. Alors là, la game est pas sauvée parce que déjà le temple de l'eau est en train de se faire raid, mais on ne le sait pas, ça. C'est notre game, les gars. J'ai eu protection 1 sur tous mes trucs. Let's go. C'est pourri, on est d'accord. C'est protection 1 et sharpness 1 pour l'épée, c'est tout ce que tu veux. Moi je suis full enchant. Snap cap de faire s'il te plaît la boussole. Tu me dis quoi et... Genre vas-y fais la boussole. Mais non mais je sais pas c'est quoi. Putain, Déo, cap de dire à Snap comment on fait la boussole. Dans les quatre coins tu mets du fer, au milieu tu mets de la redstone, à gauche de l'or, à droite du diams, en bas du lapis et en haut du charbon, voilà. En haut charbon, gauche redstone, non au milieu, ok j'ai. On a 500 blocs. 500, ok. Bah en vrai c'est pas loin 500. Ah je suis comme un poisson dans l'eau là les gars, mais c'est trop, ça part trop vite. Comment on fait la boussole? Vas-y let's go. Donc tu mets en 7, 9, 3, 1, tu mets du fer. Merde, je vais me noyer. Ça y est, j'ai. Ah c'est bon, j'ai, je suis dedans. Ouh, mais y'a tellement d'un... Oh, y'a trop d'ennemis, je vais mourir. Ah oui d'accord, on y est. Alors, y'a un peu beaucoup d'ennemis. Ah mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Impossible. Le coffre il est dans l'arbre. Ah bah je vais crever. Oh non mais c'est pas vrai, vous allez pas me lâcher comme ça. Elle est morte par une araignée parce qu'ils sont au temple de l'eau les gars, faut y aller maintenant. 3, 1, du fer ensuite. Ok, 4, de l'or. 5, une redstone. 6, un diamant. 2, un lapis lazuli. 8, un charbon. Pour leur tomber dessus. Ok, go. Go, 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 go. Bah ils sont morts, Pindé. Pindé et Magla sont morts. En même temps? Ouais, par une araignée et un squelette. Et on n'a pas gagné la première game hein. En fight. Attends. Trop nul, donc ça veut dire qu'une araignée et un squelette c'est plus fort que nous? C'est plus fort que nous. Regarde, on en voit. Là, juste en dessous nous, on en voit un. Juste en dessous nous, on en voit un, les gars. Ah ne tombe pas. Yes, hein, bah allez, have fun. Hein. Non mais. Arrête, barre-toi, toi. Laisse ça au milieu. Est-ce que tu peux le détruire ce truc? Non, avec ta pioche. Aïe. Ouais, c'est GG. Oh, ok, d'accord. Ils sont dead à cause des araignées. Les trois. Attends, mais vous voulez vraiment y aller? J'ai trop peur moi. Ouais, on va y aller. On a essayé. Maintenant, on sait qu'on ne fait plus jamais les temples. On remonte, et on va vers la Triforce la plus proche. Non mais s'ils sont morts tous les trois, pourquoi on ferait mieux, gros? Non, attends, en vrai, si on pète ça, attends. C'est simple du cul. Simple, gros. Oh, excusez. Ouais. Allez, ça y est, y a plus de spawner. Du coup, c'est clear. Ah, y a des pommes d'or. Oh, y a un stuff. Il est là. Il est où le coffre? Il est où le putain de coffre? Je suis dessus! Littéralement, j'ai l'arc! Je crois qu'on est, on est dessus là, c'est ça? C'est de lave à droite. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai une selle au fait! Bah yes! Oh, putain, t'avais pris un cheval, mec. T'as sharpness 2 l'épée, Bibi? J'ai. Ouais. Je suis en diamant? Ouais, en diamant. Oh là là, mon gars! Moi j'ai la Master Sword et j'ai plastron et bottes en diamant, on va les exterminer. Côté, il prend l'arc. Je suis là. Côté, je suis sûr que si on va, t'as l'arc ou autre, je suis sûr que t'es trop bien aussi. Genre tout le monde sera trop bien là. Oh, j'ai les bottes. Nice. Hop. Allez. Bon, protection 1, ça va être ça pour tout passons. Hein.
prendre ah non, j'ai 6 diamants. Je pensais que c'était. J'en avais 3, mais c'était des rubis. T'as 30 diamants, on a de quoi faire. 31. On a de quoi faire 3 plastrons déjà de base. Oui, mais ça s'arrête là. Bah non, mais c'est déjà bien, mec, c'est le truc le plus stylé à faire. T'as de quoi faire 3 plastrons, 3 épées. En vrai, on est bien, sachant ouais. qu'on n'a pas fini de miner. Tiens. Merci. Après, il faut pouvoir faire ça. Y a des... Les gars. Les gars, y'a putain de ligne sur moi. Eh ben, creuse. Je suis dans le sol, il m'a pas suivi. Creuse, Doig. Il nous voit, il nous voit, tu penses? Ouais, il nous voit, il nous voit, il nous voit, il nous voit. Fire Aspect. Boum. On est bien. Sharpness, je suis quoi? Sharpness, hein. T'es un ouf. Putain, là, leur foutre le feu au cul, ça va être tellement jouissif. Je le vois plus, je le vois plus. Je le vois pas, j'avance. Alors, la plus proche, c'est 1700, 400. Ok, je le vois, c'est l'arbre, le 500-500. J'espère qu'il a pas été loot. Je suis sur l'arbre, les gars. Les gars, y'a un joueur, il m'a pas vu. Passe en snake. Attends, y'a un mec, y'a Squeezie. Ouais, je te jure, sur moi. Je t'attends, Bob. Je suis à 100 cases. Il m'a vu. Ils sont deux. Bob Lennon, lui. Et le dernier, c'est Dogby. Ouais. Kite, on a un arc. Hein. Kite joue avec l'arc. Il est là, ce chien. Tu l'as vu. C'est qui? C'est l'équipe de qui? C'est Bifresh et tout. C'est Bifresh et compagnie. Je vais aller sur Bob Lennon, il a un arc. Dog, s'il te plaît, on a putain de besoin de toi. Ça 40, va me jouer 30. Je vais sur Dogby. Je suis dead. Ah putain, il m'a démonté, ils ont l'arc. Ah ouais, je l'ai mec. Et il avait la Master Sword, il venait juste de la récupérer d'un coup. Ils sont trop forts, gros, il met 3 coups. Ah bah il a la Master Sword. Ils ont tué tout le monde, sérieux, ils ont la Master Sword. Faut qu'on se mette à 3 sur lui, hein, faut si on veut espérer. Faut qu'on le focus. Ils ont la boussole pour jouer la Triforce. Master Sword. Là, il faut juste jouer la Triforce, en vrai. Si on veut gagner, il faut jouer la Triforce. Avec les bots, de toute façon, personne pourra te rattraper. Donc une fois que t'as mis la Triforce, t'as gagné. Là, je crois qu'on a tous perdu un V1. Ouais, mais on aurait jamais dû se retrouver en 1v1. Attends, mais on a l'arc broken. Ouais. Let's go. Oh, ah, c'est pour ça qu'il m'a fait aussi mal, frère. C'est bon, j'ai la boussole. On est à 231 de courage. Vas-y, go courage. Hein. La boussole, tu la prends. Ok, c'est parti. Y'a Link, creusez. Ah. Vous êtes où? Je te suis. Creuse. Frère, voilà, bouge ta mère, wesh. Il tape. On peut pas le toucher, on est d'accord. Hein. Ouais, je me sens. Désolé, Carmel, je suis obligé. Il me rend ouf, ce mec, frère. J'étais obligé, frère. C'est toi, soit ça, soit je meurs. Tu préfères que je meure? Bah, on peut plus rien faire là. J'ai la boussole de la Triforce. On peut aller jouer, avoir un bout de Triforce et on a gagné. Hein. Ça marche comment la boussole? Mais moi, bon, il est parti, les gars. Vas-y, remonte. C'est là. Donc en clair, faut pas qu'on creuse ici parce qu'en fait on est cramé. Dans la grotte là. La grotte, ouais, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Je vais creuser à côté de toi. C'est ici. Fait 30 secondes que je marche à l'envers. C'est là. Tu sais qu'on fait le tour depuis tout à l'heure d'ici. Hein. Ah, c'est pour ça que je donne ma peau. Ok, la salle est par là, donc je vais creuser par là. Je sais pas où c'est, frère, c'est dans ce. Creuser, je pense. Creuser, frère. Vas-y, je creuse en ligne droite. Je creuse pas en ligne droite, tu vas tomber, tu vas mourir. C'est pas qu'il faut creuser en ligne droite, moi. Bah, tu parles pas notre game. C'est à la surface, non? Non, c'est pas la surface. C'est pas la surface, c'est forcément sous terre. Wesh. Ouais, là, je suis vraiment en dessous, quoi. Là, ah, c'est bon, elle est là, la salle. Il faut que vous réussissiez à venir là où je suis. Au moins, vous avez ma localisation. Mais c'est une blague, j'ai creusé parfaitement sur le socle. Donc, à la limite, ils vont même pas croire que c'est un trou volontaire. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, Zelda? Oh non. Eh, c'est Cheetos. Bah, dans une grotte, non? Mais gros, je suis pas en 0-0, c'est pas en 0-0 qu'il devait attendre. Non, c'est dès qu'il y a une Triforce, il va en 0-0. Ah ouais, je peux pas lui péter la gueule tant qu'il y a pas de Triforce. Ouais. Déo, toi, va de ce côté-ci. Je prépare ma sortie. Ok, et à partir d'ici, tu fais un tunnel en pente, toujours tout droit, jusqu'à la couche ponce. Ne bifurque jamais. Et en fait, je vais reboucher derrière toi. Donc en fait, tu sauras qu'ici, c'est pour sortir directement dans la salle. D'accord. Et voilà, ils verront rien. J'ai envie de tenter de mettre un petit peu quand même. Regarde ça, c'est... tu joues vraiment avec les couilles des gens, hein. Bon, vas-y, je le sais, mais j'arrive. Pourquoi j'ai trouvé? Voilà, mon gars, c'est parti, on va chercher les autres, hein. Ok, c'est bon pour nous, c'est ça. Parfait. C'est bon pour nous, ils vont vouloir farmer les trois. Ah. Ok, c'est bon, il va en 0-0. Et là, je peux le taper. Attends, là c'est laquelle? Je peux pas le taper. Oh, le culot de Gotha. Ah, il fait DP, oh, le culot de Gotha. Ouais, mais c'était smart en vrai. T'as dedans, chante. Go. Hop, mettez, faites là. On fait quoi? On fait un méga haki? Ouais, moi je vais chercher la. Tiens, je vais chercher la. La Triforce, non? Oh, Terra, je sais. Comme on peut savoir quand ils vont arriver avec la boussole, vu qu'il y a une Triforce qui est. Oui, t'as raison. On a une chance sur deux de savoir un peu. Ok, c'est bon, c'est là, c'est Sagesse, ils sont à 800 blocs et ils arrivent vers nous techniquement. La Crocs, ils campent la Triforce. Mais pourquoi ils l'ont encore? Parce que leur stratégie, c'est d'attendre que les gens arrivent pour récupérer la Triforce et de les attaquer là. Ce serait absolument génial. Ouais, je crois que c'est ce qu'ils ont prévu. Ce serait fou. Attends, viens, on fait la forge, on doit faire nos
peux fusion, mec. En technique de double bloc, je prends une. T'as des niveaux pour moi ou pas? C'est genre, je fais comment? T'as des niveaux ou pas? Je suis level 14. Ah ouais, tiens, fais-moi. Hop, hop. Il y a des shields d'archives encore. Tiens, fais-moi. Tiens, je fais des drops. Fais la fusion de ces deux-là, s'il te plaît, mec. T'as assez ou pas? Ouais. Ma vie, oh là 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 là, et là j'ai un P3. J'ai un P3. Oh, oh. C'est toi, C'est moi. Ok, deux Triforce, mec. Ça devient compliqué. On a choisi la mauvaise Triforce, quoi, en gros. Non, mais imagine, ils arrivent tous les deux. Oh là là, ça va être n'importe quoi. Gros, c'est vraiment un plan, moi je le trouve incroyable. Je sais pas ce qui va se passer. Ouais, je suis fier de ce plan, mais. Mais Lou, je suis tos, frère. Je veux pas, frère. À l'intérieur, je pense. On va à l'intérieur, on lui déchire sa mère, on repart. Vas-y, au pire. Je peux pas le toucher. Je l'ai exterminé. Débit, recul. Ah, ils sont allés farmer le stuff de Chito, c'est pas dégueu. Mais t'es mal, mais Kameto. Kameto, non, mais Kameto tué, il est trop il fort. Non, mais Kameto, il va être intuable. Il avait quoi, il avait quoi, lui? Il y a de la protection 4. Ah bah, fais croquer, hein. Ah tiens. Non mais côté toi tu joues loin, frère. Non mais tiens, ouais. Tiens mes protections à moi, mes P2 à moi. Vas-y. Okay. J'ai son épée aussi, Sharpness 3 et tout. C'est Master Sword qu'il a, il avait la même épée que moi. Kamel attends, ouais c'est la même mais elle est plus forte la sienne. P4, P3 sur les bottes et plastron, P2, P1 diamant. On va dire qu'on est bien là les gars. Donc du coup je drop la Triforce à qui? Ouais. Il va dire comment je fais la main vide, tu enlèves un. Ok c'est bon. Tu m'as pris pour un teumé. Ils arrivent quand là? Bah ça dépend en fait, parce que là il y en a un, ils sont à 715 blocs. Il y a une autre team qui sont à 1000 blocs et qui eux s'éloignent. Et quand ce sera à 300 blocs, je commencerai à stresser. Vas-y, venez, on va chercher l'autre Triforce, Bibi, il y aura une team là-bas, 100%. Attends, j'ai ma selle encore. Hein. Bah vas-y, mets la selle sur le cheval. C'est bon, j'ai mon chevaux. Il s'appelle Mustang. Bah vous le voulez? Ouais, moi je suis preneur moi. T'as envoyé contrôle. Du coup, Gotha, on fait quoi? Tu farmes le mec non, à la Triforce? Non, pas le mec, mais ouais, je veux le truc de la Triforce, mais dans tous les cas, ce serait bien que ce soit toi qui la prenne dans tes mains, comme ça, c'est toi qui as indiqué sur le radar encore. Ah, ça se rapproche de nous, 300 blocs, ça se rapproche, 300 blocs. Revenez. Je reviens et je me sneak? Oui, on se sneak tous à notre entrée, je mets les soins à fond. Gotha est là, et juste en dessous, les amis, et du coup, en dessous, regardez, il y a toujours les petits snakes qui rôdent autour. On dirait un putain PNJ, c'est incroyable. Je transpire des doigts. Moi aussi, ils sont là en sneak. Non, ils sont au-dessus, regarde au-dessus. Là, on est juste au-dessus, les gars, attends. Ouais. Là, ils les ont vus, ils sont en train de regarder vers le haut, ils ont vu l'équipe de Gotha. Ah, ils sont tous les trois cachés autour de la pièce de la Triforce. C'est le moment. Ok, c'est là, vas-y go. On t'attend là, nous? On vient farm. Ouais, non, attends, vous pouvez venir. En fait, non, au pire, attendez-moi là. Là, je creuse jusque le plus bas, enfin, le plus bas, jusqu'à ce que j'arrive à Triforce. Attends, mais il y a l'équipe de Kamel qui est en train d'arriver de pas loin là. Écoutez, ça creuse. Oh putain, ça creuse. Préparez-vous. Tout de suite. Oh mon dieu. Regardez, derrière. Oh mon dieu. Ça arrive sur nous. Il y a beaucoup de bleu avec du diamant. À qui on doit se barrer. C'est qui? Ah ouais, go. C'est les rouges, c'est Gotha et tout. Et ça y est, c'est parti. Le fight entre l'équipe de Gotha et Kamel commence. Il est là, il est en haut, c'est Xari. C'est parti, le piège. Il descend. Dès qu'ils sautent dans la tour. Dès qu'il donne. Go. Tout de suite. Oh putain, mais il y a terrain. Tue-le. Allez. Le guet-apens qui a marché. L'équipe de Gotha qui s'est splitté. Ok, Reboucher. Horrible bad timing pour l'équipe de Gotha qui a voulu. Qui a envoyé la troisième membre chercher la Triforce et qui s'est tapé le rush de l'équipe de Kamel pile en même temps. Ils sont tous les deux sur la Triforce, ils sont en full diamant. Et j'étais en mode, je suis safe. Il y avait tout le monde en fait. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait un trap? Ouais, ils m'ont trap total. Xari est mort, il reste que Gotha et Aki. Moi je la pomme. Ils sont en train d'avoir peur de moi là. C'est normal, leur Xari est en train de Y'a l'eau qui bloque. Enlève le saut. Comment le saut ça? Faut enlever l'eau. On fait un saut d'eau. Attends, j'ai un saut d'eau. C'est bon, je l'ai enlevé. On rebouche. Viens là, ma gueule. Viens là. Mais là les frères. En plus ils peuvent. Les autres ils peuvent pas finir parce qu'on a la partie de Trinité, genre on est trop parfait. Bien. Arrêtez de courir, la vie de ma mère. Ouais. Oh je sais pas si attendre c'est pas tranquille. Eh les gars, j'ai la Triforce. Aki, je vais sur Aki, venez sur Aki. Ok, ils t'ont suivi toi Aki. Moi je me casse parce que moi ils peuvent me rattraper, pas toi. Ils ont changé, ils cherchent les bottes. Mais pourquoi ils chassent celui qui va plus vite? Reviens là frère, reviens. Attrapez-le. Côté, sors ton arc, allume-le frère. Tu vois que ton épée là tout à l'heure. Touché. Putain, j'ai paniqué. Oh la flèche. 12 cœur restant pour Akicho. Mais mec, logiquement, ils peuvent pas te rattraper. Il m'a touché avec l'arc et même genre il me chase bien. Voilà, on va pas lâcher. On le lâche pas. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs la team qui était dans le sous-sol là? Du coup, ils ont dû remonter, non? L'équipe de Terracid. Attends, mais j'ai tout son stuff. Les gars, Sharpness 2, qui veut? Ah oui, bah oui. Oh yes, Sharpness. Il avait des diamants ou pas? Attends, venez. Je sais pas, tiens, Sharpness 2.
Attends, viens, on rebouche même ça, genre. Il s'est vraiment rien passé. Il est encore chassé, il est encore chassé. Ah, de ouf, là il est contact, hein. Mais là, attends, il a à manger. Ah ouais, Dorfresh, ouais. Il le lâche pas, waouh wow. C'est non, un ouais. Truc historique absolument il incroyable. Il attends, il ouvre le coup. Ah, il va se faire bloquer. Il a pris un coup. La limite de map. Et oui, du coup, il se coince. La limite de map, non. Mesdames et messieurs, Akicho qui donne tout pour survivre. Il faut qu'il fight. Bifresh qui a goûté le sang. Bifresh qui a goûté le sang. Il a goûté le sang. Attrapez-le. Attrapez-le. Après avoir couru pendant plusieurs minutes, mesdames et messieurs, Akicho. Tu peux juste rien faire, tu peux même pas récupérer. Le fait pour Kota, qui le fait, c'est pour Xari qu'on a perdu plus. C'est fini. Oh wesh. Yes. Ah, mais là, attends, mais est-ce que j'ai un plan de jeu? Moi, j'ai rien à faire en fait. Là. Bah, le plan de jeu, c'est d'aller en 0-0 et d'essayer de. Je sais pas, de mettre des sauts de lave. Ah non, là, c'est contre soi et que je suis là, je peux plus rien faire. Bon, alors, comment ça se passe ici? Bah, écoute, strat salope ici, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Vous êtes pas lassé? Tu rigoles ou quoi? Lassé? On est en train de vivre ce que vous avez vécu pendant tant de temps. Non, c'est pas mal. En vrai, ça a bien marché sur Xari. Oh, t'aurais vu l'embuscade, gros, mais le pauvre. Il arrive. Sniquez-vous. Ils peuvent avoir quoi comme truc enchanté là? Tout. Ça fait suffisamment longtemps qu'ils sont en train de bouger. Le temps qu'il n'y a pas écrit, une force a été trouvée. Par contre, Belek, attention les gars, ils nous font peut-être un piège. Hein. L'équipe de Kamel là qui arrive, là où il y a Snaptrox, regardez, on reconnaît le petit village. C'est sûr qu'ils nous font un piège. Il y a des trous de ouf à côté de les gars, ouais. Non, on la joue pas au pire, on s'en fout, ça dure 3 heures, c'est pas une 3 heures. non, je la joue. Frère, non, mais non, pourquoi depuis tout à l'heure personne là frère, on va tomber dans un piège, on va se refumer. Dorme. Tout à l'heure ils avaient de la TNT, ma gueule. 40, il est vraiment au-dessus de nous. Hein. Sniquez-vous. Ouais, je suis sneak depuis tout à l'heure. Ah, ok. Tous là en fait. Regarde, c'est un trap, tu sais pourquoi? Il y a de la cobble là, wesh. Ouais, bah oui. Et c'est à 20 mètres de 20 blocs du truc. Il a 10 blocs, il est en sneak, c'est obligé. Si on tue Kameto, il faut le tuer instant, il faut le tuer vraiment. Il a deux blocs, il est là. Au DP. Il est. Attends, il est forcément là. Ah, ouh, le voilà le trou. Je crois que j'ai vu un trou. Il est là, il y a full trou là, les gars. Il a 6 blocs maintenant, il était à 0. Imagine, il prend la Triforce en scred. Oui, mais juste écoutez, creuser, obligé, il y aura un bloc de cassé. On stay et on écoute les blocs. Attends, il a pas une selle ce cheval. Côté, rentre dedans. Attends, j'attends qu'il a la lave, je fais pas le laboratoire. Vas-y. Rentre dedans, tu testes, et après on voit. J'accepte ma destinée. J'accepte. Vas-y, donne ton stuff. Votre cobaye. Ils savent que je suis là, de toute façon, ça a été spoil, donc ça sert à rien. Je vais faire un truc. Bon, on va pas non, mais t'inquiète, c'est juste que... Ils savent que je suis là, donc... Autant casser les couilles. Je vais faire un gros trou, avec de la lave à l'intérieur. Vas-y, bien profond, là. Et on va voir si vont le récupérer, le truc. Il y a un tunnel qui est creusé par l'homme. Par l'homme. Ah, comment il a dit ça? Ok, ils ont entamé une nouvelle stratégie, l'équipe de Terra, là. Ils passent sur un piège différent. Ils ont miné tout le tour de la Triforce. Ok, je vois le nom. Ils sont juste au-dessus. Ok. Ouais. Ok. Faites gaffe juste derrière nous. Derrière toi, tu t'en fous, tu te fais pousser dans la lave, vraiment. Oh putain, il tombe dedans, là, il va tomber en maintenant. Oh, il a vu. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Faites tomber. Il va remonter. Non, il l'a. Il a 14 HP, hein, par contre. Ça tire. Il met de la lave. Côté 3 HP, allez, 3 HP, côté. 3 HP côté. J'ai plus de flèches. J'en aurais eu encore une, je l'aurais tué. Ah, mais Clément qui a fait son travail, il a eu toutes les infos. Le problème, c'est que là, t'as plus de vie, fou frère. Bah ouais, frère, t'es à rien maintenant. Il reste là-bas, crève. Ta gueule. Je me casse. Les gars, côté, il va dead. Côté qui? Il y a un PV. Quoi? Oh, il s'est pris un creeper, man. Côté l'éclaireur, vraiment, mais donnez-lui une médaille. Et Kameto qui doit être en train de prendre une décision là pour son équipe. Mais pourquoi eux ils attendraient et nous on attendrait pas, wesh? Mais j'ai envie de gagner, ils ont gagné la game d'avant. Le problème, c'est que nous on est trop impatients. Du coup, nique sa mère, on y va. C'est moi, je suis pas impatient, tête de mère, je reste là, j'ai toute la nuit, c'est le confinement. Je reste là, je bouge pas, ils veulent pas sortir. Je reste là, c'est pas mon problème. Pourquoi nous on devrait prendre des risques? C'est qui a tué Link? C'est nous. C'est qui a récupéré les 3 systèmes légendaires? C'est nous. C'est qui a tué la team de Squeezie? C'est nous. C'est qui a les 2 Triforce? C'est nous. Donc tête de mer, on reste là. On attend qu'ils sortent. Je m'en fous, frère. Prends la boussole, regarde quand ils bougent. C'est tout, frère. On va au 0-0, frère. C'est tout, ouais. J'ai rien d'autre à faire. On va au 0-0, on attend. Attends, ils sont super loin, ils sont à 500 blocs, ils en ont plus rien à foutre. Bon, venez, on monte. Ah, t'as raison. Vas-y, bon, bon. Moi, je vous propose un truc, on attend devant, c'est notre château, on habite là maintenant. Ouais, mais ils sont top en fait. La Triforce de la Force, elle est direction 51 blocs ici. Donc, clairement, ouais. Ouais, ils en ont deux en fait. Eux, ils ont les nôtres, ils sont là. Et la troisième Triforce, elle est là.
Et ils vont pas la jouer, genre. Aïe 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 aïe. Mais t'es, c'est une guerre, les gars. C'est une guerre de patience. Dommage qu'on puisse pas parler juste à Gotha pour faire une alliance. Dis-lui juste, ça va, gros. Attends, je suis. Allô. Putain, les gars, vous tryhardez tellement, je me retrouve à faire des conseils de ministre. Moi, je suis à côté. En fait, dès qu'ils vous engagent, je suis derrière eux, les gars. Vous allez gagner. Je te jure, j'ai qu'une parole, gros. Okay. Les gars, la K-Corp est l'ennemi de tout le monde ici. Il ment de ouf. Je mens pas, franchement. Et c'est quoi? Déjà, je vous serre la main pour ce que vous avez fait avec Zari. Bien joué. Et en fait, au même moment, il y avait un guet-apens au top. Les gars, je peux juste vous dire un truc, c'est qu'ils ont vraiment tout le stuff du jeu, vraiment. C'est pour ça qu'ils ont zéro fun. Non, s'ils ont zéro fun, c'est parce que Gotha est encore dans la game et que Kamel refuse fermement de perdre face à Gotha. Ouais, c'est bon, il est avec nous, c'est bon, il y a pas de souci. Là, il y a plus de tout. Messieurs, dames. Nous avons donc deux équipes qui se tournent autour et qui se sniffent le cul depuis un peu plus d'une heure maintenant. Désolé d'ailleurs à tout le monde. Hein. Nous avons aussi le dernier élément de l'équipe de Gotha, Gotaga lui-même, qui est le petit moustique de la game. Et j'ai l'impression que ce moustique fait vraiment très peur à la K-Corp qui a quand même 4 objets légendaires et qui ne veut pas lancer de fight. Gotha, on sait pas où il est. Si on savait où il était, on l'aurait exterminé. Évidemment, mais c'est sa strat, il a pas de Triforce, tu peux pas savoir où il est. Ouais, bien sûr. Par contre, tu sais très bien où est Terra, pourtant je t'ai pas vu l'exterminer. Ouais, ça c'est bizarre. Ouais, pourquoi nous on irait dans un piège? Alors, aussi parce gros. Parce que t'as le meilleur stuff du monde. Ouais, ils sont là. Cours ma gueule. On est au château. Terra était à cheval. Je le suivais. Mais t'as un polo sur ta sneak. On n'a pas arrêté de spammer sneak. Il faut se grouper. C'est Kamel. Je suis sur le point. Ils sont deux sur moi. Eh ouais, il est mort, mec. Je suis mort. J'en ai buté un. Ah, je suis trop nul à ce jeu. Il avait du feu. Vas-y. Je suis contre. J'ai frappé un mec. Y'a Gotaga derrière Bibi. Bibi court. Ils se battent pas entre eux. Oh le gamin, Gotaga. C'est le dernier. Ah putain, mais non. Pardon. Non, c'est moi, j'ai pas fait exprès. T'as misclick, Gotha. Je sais pas s'il a misclick ou pas, mais. Non, je te jure que j'ai misclick. Vas-y, tu l'as. Il sait qu'il est dans la merde. Ah non, il va rentrer. C'est pas grave, vas-y, tape-le. Ok. Vas-y. Oui, bien joué. Vas-y, j'en peux plus. Pourquoi? Oh, en plus j'ai le kill, merci les gars. Bien joué. Et en plus après c'est nous les fuyards, ça c'est un peu dégoût. Ça. Ah, pas. Oh là. Oh. Ah, passe-moi des peu mon nom. Mais attends, mais je vais crever, bordel. Ah ouais, Déo il va crever. Non, Déo. Prends une pomme, mec. Tu vas pas mourir. Oh. Gotha qui l'est trahi. C'est un squelette, c'est le squelette. Salopin, j'ai pas de pomme en or. Non, vas-y, je me rends. Franchement, on a éliminé la K-Corp, je me rends. Non, mais là je suis empoisonné là. Ouais, je peux te tuer. T'es dans la merde. Je vais mourir comme ça. Non, mais faut que je te tue avant, sérieux. Tu me donnes. Mérite la victoire. Bravo, non, je me tâtais, j'étais en mode, franchement, il y a peut-être moyen que. Quand t'as mis la flèche dans la tête de Deo, je me suis dit, est-ce qu'il est en train d'hésiter à se dire. Il y a le petit Jav qui était en mode, oh là là, il s'est pris une potion de la sorcière, il est mort. J'étais en train de canner là. Oh les chiens, ils ont fait une alliance juste pour niquer Kamel et ils sont tués pour pas gagner la game et ils considèrent qu'ils l'ont gagné parce qu'ils ont niqué Kamel. Oh les bâtards. C'est quoi qui m'a mis en feu? C'est de la lave ou il m'a mis. Mais non, c'est leur fire respect. Y'a pas écrit dans leur truc fire respect off? Pause. Quoi? C'est interdit. Regardez. Bah ouais, il y a écrit off, comment c'est possible qu'il l'ait? Bah ouais, c'est normal frère, moi je pensais pas que ça existait. Tu as joué à l'équipe de Terra qui a été incroyable. Franchement. J'ai l'impression qu'il y a des comptes qui ont besoin d'être réglés. Ouais, bah okay. Je pense que commençons par l'équipe qui a fini top 3, Kamel. Ouais. Non, vas-y. Si t'as un truc à dire, dis, parce que moi j'ai beaucoup de trucs à dire, du coup je vais prendre beaucoup de potions. Moi déjà j'ai une question, est-ce que c'est autorisé Fire Aspect? C'est quoi Fire Aspect? Parce que dans le règlement il y a écrit que c'était off. Non, c'est et il y a l'équipe adverse long. J'attends des informations chez Tos. Continuez, je te dis dès que j'ai des infos. Donc, vas-y, tu voulais parler, Déo? Hein? C'est pas moi qui parle. Ah oui, mais vous avez gagné, fêtez ça les gars. Et je tiens à dire que Gotaga est une personne dégoûtante. Notre défaite, et ça me dégoûte. En tout cas, je sais bien que par exemple, la première game, on avait 4 armes légendaires, on a essayé de jouer le beau jeu, etc. Il y en a d'autres, ouais, j'ai l'impression que c'est MLG, il y a 10 000 de cash prize, quoi. C'est-à-dire que ça tente rien, ça bloque la game, alors qu'ils ont tout pour la gagner. Ouais, mais bon, après, c'est. J'espère. Oh non, bien entendu, je non, parce que nous, on a pas bloqué la game, gagner, on a tué une team, on a tué Cheetos, on a récupéré 2 Triforce, on a récupéré 4 items. Ouais, c'est vrai que le but, c'est que. Donc, forcément, on a été actifs dans la game. Ouais, bah, c'est les Triforce, et on a récupéré 2 Triforce sur les 3. Et la 3ème, on pouvait pas parce qu'il y avait un piège. Vous avez très bien joué. Messieurs, dames, on me dit. Merci, y'a pas de problème. Franchement, t'as bien joué.
pas de rester caché une demi-heure. Franchement, merci. Mécaniquement, c'était parfait. Je suis en train de recueillir des informations sur la Fire Aspect et c'est bien interdit de base dans ce, dans ce mode de jeu. Ouais, pourquoi c'est dans le mode? Parce que moi, du coup, j'ai juste. En plus, j'étais content. Je l'ai dit à tout le monde. J'ai dit, j'ai Fire Aspect. Moi, je vais vous dire, la victoire ne m'intéresse même pas. C'est pas grave. Je la laisse à Terracid. Y a pas de problème. Tout ce que je sais, c'est que nous, on a fait une bonne game et on n'a pas besoin de gagner ou perdre. C'est un jeu, c'est pour le fun. J'avoue, c'était tellement pour le fun. Vous avez pas rush Terra et tout, les gars. C'était gros fun, j'ai l'impression quand même. Si certains capitaines ont des méga balls, j'ai l'impression qu'il y a un 1v1 qui se fait dans une arène. Moi je suis chaud, moi je suis. Il est quelle heure? 1h16, je dois sortir mon chien, je suis oh. Dès que la TNT explose, les gars, c'est le début du duel. Rendez-vous compte que c'est l'un des duels les plus appréciés sur Twitch. Hein. Faites pleuvoir les drapeaux. Les drapeaux G-Corp, les drapeaux K-Corp, c'est maintenant. Parce que là, dans quelques secondes, ça sera réglé. Kamel, pour dessus, tu fais que de viser, c'est simple. Pour lui dessus, tu t'arrêtes pas, tape le juste, pour lui dessus. Ça fait le petit temps avec les gars, mais non, mais Gabi. C'est trop ça! C'est trop ça! J'ai dit qu'il gagne ce mois! Il est où? Faut pas sauter, mais j'en sais rien, moi, les gars. C'est pas mon problème, j'ai gagné. Je suis trop heureux. Oh, depuis tout à l'heure, je l'imagine avec son petit sourire là. J'ai elle, Kamel.